Donc le processus des états généraux, il a commencé en janvier suite au mois de l'imaginaire, puisque des éditeurs poches préparaient ce mois de l'imaginaire, ils nous ont invités à participer, on s'est réunis entre éditeurs indépendants, on a tout de suite dit oui au mois de l'imaginaire, mais dans les discussions ressortaient des problématiques du genre en librairie, en presse, au niveau des institutions. Et donc notre idée, c'était de se dire, après tout, l'imaginaire, c'est notre bien commun hein, à tous, on ne fait pas de la science-fiction ou de la fantasy par hasard, et on va initier une réflexion collective sur la presse, la librairie, les institutions, en invitant auteurs, illustrateurs, éditeurs, correcteurs, traducteurs, lecteurs et blogueurs, ça nous semblait important que les lecteurs soient aussi partie prenante, pour discuter de manière tous collective et d'essayer d'imaginer ensemble comment nous pourrions résoudre nos problèmes de visibilité. Donc on a d'abord lancé une pétition au mois de mars, on a ouvert un forum préparatoire, et puis les états généraux ont eu lieu ce matin, sachant que pour bien imaginer des solutions, pour bien parler du problème, il nous fallait déjà un état des lieux. Donc on a brassé les chiffres des différentes librairies, on a aussi été voir des libraires pour parler des freins et des propositions, on a brassé les chiffres en presse, c'est-à-dire qu'on a ouvert les journaux, hein, on a compté le nombre d'articles sur les livres et puis on a compté le nombre d'articles d'imaginaire, puis on a interrogé des journalistes, c'est tout ça qu'on a présenté ce matin, et à partir de tout ça, on a initié une discussion qu'on espère global et continue à partir de maintenant. Moi, ce que j'ai noté, c'est une salle qui était quasiment pleine. Ce que j'ai noté, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup d'envie, beaucoup de discussion. Si on a beaucoup d'envie, techniquement parlant, on devrait pouvoir imaginer des solutions, et en tout cas les mettre en œuvre. Je suis assez épaté parce que ce matin, il y a des gens qui ont pris la parole, il y a des éditeurs, il y a des auteurs, il y a des délégués artistiques de festivals, il y a des libraires, il y a des journalistes, il y a des blogueurs, il y a de simples, avec des guillemets, lecteurs. Ça veut dire que le sujet, il est vraiment interprofessionnel et il va loin. Et dans les réflexions, il n'y a pas de hiérarchie, il y avait des très bonnes réflexions et de très bonnes solutions de tous les côtés. Donc ça, on a déjà réussi un truc assez intéressant et quasiment historique, quoi. Il y a une bonne initiative qui est le mois de l'imaginaire, même si ça allait avant les états généraux, c'est en tout cas une bonne réponse. Et c'est 44 éditeurs qui ont lancé ça. Il y a des éditeurs qui ont lancé leurs livres au niveau du prix Goncourt. Sur les initiatives ce matin, on va reprendre toutes les propositions, continuer à en discuter. Il y a plein de choses qu'on aimerait faire, évidemment. Pour l'instant, il n'y a rien qui soit plus concret que ce forum où on a déjà des dizaines et des dizaines de personnes qui sont venues s'engager et travailler, que ces chiffres qu'on a apportés pour la première fois, quoi.